peut-être une fusée qui partait dans l'espace plein de super-héros. Au loin, il y aurait une planète bizarre. Laquelle des monstres retenait les prisonniers, les martiens. Alors il décida d'aller voir. Arrivé sur place, la fusée tombe en panne. Et seuls les martiens peuvent réparer cette panne. Heureusement, un martien enfant a échappé au méchant Heidi. Je sais comment faire. Il faut passer la grotte des méchants. Il faut passer le volcan et entrer dans la grotte des méchants. Tu ne peux pas préparer notre fusée. Non, je me suis encore troisième. Ce n'est pas assez de pouvoir. D'accord, allons-y. Chut. Il marcha très longtemps pour arriver au sommet du volcan. Comment allons-nous faire? J'ai une idée. J'ai une idée. Construisons un pont en métal. Bonne idée. Il y a plein de morceaux d'avion carbonisé. Construisons un pont. Maintenant qu'il est construit, allons-y. Malheureusement, il n'avait pas pensé. Malheureusement, il n'avait pas pensé au fait que le métal souffre et il se brûle les pieds. Ah, ça brûle! Quelqu'un qui a une autre idée? Oui, il y a plein de pierres autour de nous. Construisons un pont en pierre. Ils se mirent au travail. Après quelques minutes, ils passèrent le volcan et continuèrent leur chemin vers la grotte. T'as vu, il y a des martiens et leurs amis. Prévenons le chef. Bonne idée. Allô, chef, prévenez les renforts, des ennemis. C'est alors qu'une guerre acharnée se déclara. Après de longues minutes, les super-héros et le martien virent qu'il n'y avait plus de méchants. Ils avaient gagné. Thomas, il partira à la recherche de la prison. Il partait à la recherche de la prison et il jetait leur gel sur les barreaux à temps de... avant de jeter sur ceci et de la casser. C'est ainsi que les siens furent libres et que les super-héros peuvent repartir sur la planète Terre.